On ne pourra pas dire que les conseillers municipaux favorisent la dépopulation française. Mesdames, messieurs, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper de cette grave, de cette importante et urgente question pour laquelle je vous ai convoqué en séance extraordinaire et secrète. De quoi s'agit-il? Alors, pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi ce mystère? Une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville. Une épidémie sur la ville? Sur la ville? Mon fils! Elle est où? Elle est sur quoi? Elle est sur la ville ou non? Précisez! Pas d'équivoque! Dites la vérité! Nous ne sommes pas des enfants! Nous sommes des hommes, que diable! Nous l'avons prouvé dans des circonstances plus graves! Quand la patrie était en danger, nous n'avons pas hésité à entrer dans la garde nationale! Elle est sur quoi, cette épidémie? Sur quoi? Et principalement sur la caserne de l'artillerie de marine. Oh! Enfin, je ne vois pas du tout, mais pas du tout pourquoi on nous a convoqués. Cette épidémie n'est pas de notre compétence. Bien sûr. J'allais dire de notre juridiction. Oui. Elle n'offre aucun caractère municipal. S'il vous plaît, mais une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois. Nous n'avons pas à prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Je connais la marche et, si je puis dire, l'esprit de ce genre d'épidémie. C'est un esprit hiérarchique. Et puis, c'est malheureux. Soit, plaignons-les, je le veux bien. Mais bon, les soldats, c'est fait pour mourir. Hein. C'est leur métier de mourir. Leur devoir de mourir. Oui. Leur honneur de mourir. Oui. On nous objecte toujours. Et l'Angleterre. Mesdames, messieurs, nous ne sommes pas l'Angleterre. L'Angleterre, c'est l'Angleterre. La France, c'est la France. Oui. À chaque peuple, son génie. Oui. Oui.